J'arrive, je suis à la bourre, comme toujours, parce que sinon c'est pas drôle. Salut! Comment ça va tout le monde? Ouh là là, trop de lumière dans les écrans. Allez, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Dites-moi si chez vous ça va à peu près, si c'est assez lumineux, si vous m'entendez bien, si tout se passe bien de votre côté, voilà. Et puis, moi, pendant ce temps-là, je vais vous saluer puisque c'est une séance de Write Club ce soir, donc d'écriture créative. Bonsoir Manon, bonsoir Hélène qui est là, bonsoir ma petite mamie, c'est cool que tu sois là aussi. Bon, je vois qu'on est déjà 8 ou 9, ça arrive doucement. Christine, coucou, bienvenue, youhou! Christine, elle est au taquet, m'a laissé un texte, Christine, donc elle est au taquet ce soir. Donc, je vous rappelle le principe de notre séance d'atelier d'écriture, c'est que je vous ai donné un sujet le mois dernier. Donc, ça a lieu tous les ma derniers mardis du mois à 21h. Merci beaucoup, Manon, pour l'information sur le son et la qualité de l'image. Donc, c'est nickel. Merci beaucoup. Et donc, tous les derniers mardis du mois à 21h, on se retrouve et on se fait un atelier d'écriture créative. Alors, je vous donne le sujet le mois précédent, bien sûr. Et vous avez un mois pour me dire, voilà. Où est-ce que vous en êtes? Et m'envoyer vos textes. Alors, il y a Hélène qui me dit, t'es dans le noir. Bon, après, ça passe, non? C'est plus de lumière, je vais me réveiller, moi, derrière. Mais bon. Ah, t'avais trop hâte du live. C'est Mimi. Oui, tu m'as envoyé un texte, toi aussi. Oui. Alors, s'il y a... Attends, un peu marre du noir, je vais essayer de choper. Je vais essayer de choper. Tadam! Je vais essayer de choper ça. Et alors, est-ce que ça serait mieux comme ça, déjà? Est-ce que dans un premier temps, ce serait mieux comme ça, vous me dites? Et voilà. Comment ça, t'entends rien? Mettez sonotone, hein? Mettez sonotone, Christine, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Là, voilà. C'est, voilà, hein? On est vieux, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une petite vengeance pour la dernière fois. Mais bon. Qu'est-ce que je vous raconte ce soir? Coucou Pascal qui arrive, c'est cool que tu sois là. Ouais, mais c'est parce que je m'étais un peu éloignée du micro, en fait, Christine, tu n'es pas si sourde que ça. C'est cool que tu sois là. Alors, qu'est-ce que je vous raconte ce soir? Avant qu'on attaque sur l'atelier d'écriture créative, je voulais vous montrer un truc. Alors, ceux qui sont sur TikTok, vous le savez déjà. Les bracelets goodies sont arrivés. Voilà. C'est trop bien. Voilà, comme d'habitude, j'adore ces petits bracelets. Enfin, franchement, je sais pas, je les kiffe trop. Alors, vous n'allez peut-être pas bien les voir comme ça. Mais ils sont tellement chouettes. Donc, voilà. Je peux vendre la mèche pour ceux qui n'ont pas vu. Tu veux vendre la mèche de quoi? Les bracelets. Trop tard. Bonjour Alcina, comment ça va? Ouais, non, franchement, les bracelets sont trop bien. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas tout suivi, même si je me demande comment c'est possible que vous n'ayez pas absolument tout suivi, on a quand même une très, très grande nouvelle ce soir. Alors, hormis le fait qu'il y a des fonds d'écran magnifiques qui vous attendent si on atteint les 150% de la campagne Ulule, mais surtout, surtout, hein, le truc magnifique ce soir, c'est que la campagne Ulule a explosé aujourd'hui. Donc, non seulement on a franchi la barre des 100% aujourd'hui, mais on est ce soir à 115% de l'objectif. Donc, franchement, bravo. J'aimerais qu'on s'applaudisse tous là, parce que franchement, c'est vous. C'est vous qui avez super bien joué. C'était juste trop bien. Non, je ne savais pas pour les bracelets. J'ai pas TikTok, mais tu veux vendre la mèche de quoi pour ceux qui n'ont pas vu? Oh là 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 là, vas-y, vends la mèche. Je sais plus de quoi on a parlé. Et... Je sais plus. Je parle de trop de choses avec trop de monde. Mais bon. Et ouais, ils sont chouettes, hein. Franchement, attends, je sais plus où est ma main et où est le. Voilà, là. Là. Non, je
je ne sais plus. Là, voilà. Hop, c'est pas évident de faire le point, évidemment, avec la petite caméra, mais bon. Donc, ouais. Non, franchement, ça va être trop, trop bien. Voilà. Eh ben, ouais, bravo, mais bravo à vous, hein, surtout, hein. Parce que moi, la campagne que je l'ai montée, le livre, je l'ai écrit, mais en fait, c'est vous qui publicitez ça, hein, c'est pas moi. Donc voilà. Donc merci, 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 mais bravo, bravo à vous. Ouais, Ulule, bah oui. Pour ceux qui n'avaient pas vu, voilà, là c'est The Reveal. Mais bon, c'est trop, trop bien. Et 115% aujourd'hui, je me dis, bon, on va peut-être faire les 150% parce que si vous regardez bien, il reste quand même 12 jours. Donc 12 jours sur la campagne Ulule, ma foi, il y a de quoi attendre les 150%. Et donc débloquer, bah, ma foi, les fameux fonds d'écran dont je vous ai déjà parlé. Avec entre autres ce petit-là qui est pas crade du tout et qui est plutôt chouette. Voilà. Pourquoi il me garde une frise d'Ulule, bizarre, un truc bizarre. Bon, bref. Et puis bah, après, vous savez que si on débloque encore plus loin, il y a des posters à gagner et surtout il y a des packs supérieurs à ce que vous avez commandé qui sont à gagner aussi. Donc voilà. Je fais la pub du livre sur mon lieu de stage. Ma binôme m'a l'air intéressée. Eh bien, il faut qu'elle se dépêche parce qu'il reste que 12 jours et les journées passent super, super vite. Voilà. Et donc, le but, c'est de débloquer un maximum de goodies et de paliers et de cadeaux, en fait, avant la fin de la campagne, sachant que ben, c'est pas moi qui décide de la fin, hein, c'est Ulule. Hein. Donc, mais bon. J'ai craqué, j'ai demandé à Chéri de me l'offrir. J'ai vu, trop mignon ton chéri. En plus, il a dit oui, il a dit oui. Donc voilà. Donc en fait, voilà, j'ai une centaine de petits bracelets comme ça qui sont arrivés aujourd'hui. Je suis trop contente. Et j'ai d'autres goodies qui vont arriver, mais j'attends un petit peu parce que pour savoir ce que je commande comme goodies, il va falloir que je sache combien il faut que j'en commande. Et ça dépend des packs que vous commandez. Donc du coup, j'attends un petit peu pour le reste. Mais bon. Oui, parfait, parfait. Voilà, on envoie les liens Ulule, hein. On envoie les liens Ulule à fond, les amis. Là, faut pas hésiter, faut pas hésiter du tout. Et puis, bah, normalement, ça va bien se passer et vous allez recevoir vos petits Alexander, on va dire courant mai, quoi. Courant mai, on va dire fin mai. Je veux dire fin mai parce que je pense que moi, je vais les avoir entre le 10 et le 15 mai, donc le temps de faire les envois derrière. D'ailleurs, à propos d'envoi, Christine, je m'excuse, ton paquet, il est toujours là. Mais je suis débordée en ce moment, j'arrive pas à passer au Mondial Relais. Donc là, j'ai des coachings, mais j'ai un peu moins de rendez-vous par contre l'après-midi. Je vais essayer de passer la fin de journée parce que je rappelle que Christine a gagné quand même le paquet Petit Bonheur des tipeurs de ce mois-ci. Donc voilà, on est quand même le 30 mars, il serait temps que je lui envoie. Mais bon. Bah oui, d'ici d'en parler, mais après, voilà, le but c'est de mettre sur Facebook plusieurs fois, c'est d'en parler aux potes, enfin tu vois, voilà. Merci beaucoup Alcina. Donc voilà, bon, on va passer au Write Club, les amis, parce qu'on n'est pas là pour rigoler non plus, hein, voilà. Donc moi déjà, ce que je vais vous mettre ici, parce qu'on est en live. J'avoue, les pattes dans l'étrier. Au fait, vous connaissez Karine Carville? Vous pouvez peut-être suivre sa campagne Ulule. Mais bon, bon, j'irai pas plus loin parce que j'ai d'autres idées qui me viennent, mais bon, c'est pas racontable en live. Mais bon. Je vous mets dans les commentaires, paf, un lien qui va vous diriger, vous, parce que vous êtes dans le live et comme vous êtes en live, je vous favorise forcément, vers l'acquisition d'un PDF que je vous ai préparé, où vous allez retrouver les quatre textes que je vais vous lire ce soir, mais aussi un petit partage, en fait, c'est-à-dire des tips d'auteur. C'est-à-dire que ces quatre textes, je les ai repris, je les ai corrigés, et je donne des petits trucs et astuces pour mieux écrire. Voilà. Donc du coup, oui, je crois que tu as fait rigoler beaucoup de monde, Christine. Donc du coup, ce soir, on va partager. Donc pour ceux qui se posent la question, ça ressemble en fait le PDF à quelque chose comme ça. Voilà, comme un petit document. Et puis bah, après, hop, il y a les textes, il y a mes petits commentaires, le conseil de Karine, les autres textes, etc. Et on va lire ça ensemble ce soir. Alors, pourquoi est-ce que je fais des documents commentés? Parce qu'en fait, je me dis que ça peut-être vous êtes intéressé par l'écriture, si vous êtes là, hein, a priori. Et donc, on apprend toujours beaucoup en regardant les autres. Ça, c'est quelque chose de toujours assez vrai et assez juste dans plein de choses. Moi, j'avais mon maître d'équitation qui me disait toujours, tu apprendras autant à pied qu'à cheval. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup à regarder les autres. Et donc, du coup, bah là, je vous propose en fait de regarder aussi les textes des autres. Alors, quand je fais mes corrections,
Quand j'écris en rouge, c'est parce que j'ai corrigé erreur d'orthographe, de grammaire, on s'en fout en fait, mais c'est juste pour que vous sachiez que j'ai fait des corrections à cet endroit-là. Parfois, je vous mets quelques indications en rouge ou un ressenti, ou parfois je vous dis c'est un nouveau paragraphe, voilà. Mais donc, pour chaque texte, j'essaye en tout cas de trouver une petite chose, une petite erreur sur laquelle je peux revenir et qui peut, j'espère, apporter à tout le monde. Voilà. Donc, vous avez tout le temps du live pour aller télécharger ce document. Je vais vous laisser 5 minutes après le live aussi pour aller le faire aussi. Et puis, après, il disparaîtra, ce document d'Internet. Et je le remettrai accessible uniquement avec Tipeur. Voilà. Ça, c'est pour favoriser les gens qui veulent bien être en live avec nous le soir, parce que plus on est nombreux et plus on s'amuse. Donc, j'avais envie de voilà, vous favoriser un petit peu. Donc là, on va se lire ce soir quatre textes. Quatre textes dont le sujet était l'animal et la pluie. Donc imaginez que vous êtes un animal. Donc déjà, je vous forçais à vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, on va dire, et en plus de pas, même pas d'une vraie, enfin d'une vraie personne, même pas d'une vraie personne dans le sens de même pas un ami, un personnage quoi, un personnage humain, mais un personnage animal. Je vais y arriver, hein. On sent que je suis un peu fatiguée en ce moment. Et puis, il se met à pleuvoir et il se passe quelque chose. Voilà. Et donc, je vous avais lancé sur ce sujet-là. Donc, j'ai quatre textes et je vais commencer. Alors, il n'y a pas d'ordre hein, dans mes textes. Hein. C'est juste que là, je crois que je suis partie du dernier que j'ai reçu. Je suis remontée jusqu'au premier. Ça tombe comme ça dans la boîte aux lettres. Donc, voilà, il n'y a pas de classement. Y a pas, on n'est pas en compétition. On est juste là pour se faire plaisir. Donc, oh, j'aurais pu vous mettre. Ouais, vous ferez vos images dans la tête d'abord. Voilà, et puis c'est tout. Mais bon. Alors, on va commencer par le premier texte qui est le texte de Christine. Et donc, je vous lis le texte de Christine. T'es prête, Christine? Ça va, tu t'appréhendes pas trop? Détends-toi, ça va bien se passer. Stella marchait d'un pas pressé dans le sous-bois. Son ventre, creusé par la faim, criait famine. Ses coussinets, aussi noirs que ses pattes, s'enfonçaient dans la mousse épaisse de la forêt. La lueur pâle du soleil matinal parvenait discrètement à éclairer les pas de la jeune renarde. Les oreilles dressées et les sens aux aguets, elle guettait moindre bruit qui lui indiquerait qu'elle s'approchait de sa destination. Soudain, une odeur, qu'elle connaissait bien, lui chatouilla la truffe et elle ne tarda pas à arriver à l'orée du bois. Stella leva son regard doré vers le ciel avant de sentir de fines gouttes de pluie ruisseler sur sa superbe fourrure rousse que beaucoup lui jalousaient, de ceux qu'il valait mieux éviter. Elle ferma les yeux, sentit ses muscles se détendre et la fatigue quitter son corps. Tout à coup, un bruit attira son attention. Ses moustaches frémirent, c'était le signal qu'elle attendait. Elle rouvrit les yeux pour ensuite percevoir du mouvement sur sa droite. Elle s'accroupit avec soin, repliant ses pattes sous son corps agile. Cette pluie tombe vraiment à pic, elle masquera mon odeur, pensa Stella. La jeune femelle avança à pas de loup pour s'approcher de sa proie. J'aime bien le pas de loup pour le renard. Les babines de la goupille frémirent d'excitation quand elle sauta en l'air pour plonger sur l'innocent campagnol qui ne l'avait pas senti s'approcher. Bientôt, la vie quitta le petit corps de Stella. Pardon, bientôt, la vie quitta le petit corps et Stella l'avala rapidement pour calmer les protestations de son estomac. Une fois repue, elle s'allongea dans l'herbe, décidant de profiter au moins quelques instants de la tiédeur de la pluie et des rayons du soleil du matin. La nature se réveillait doucement, le gazouillis des oiseaux caressant ses tympans. Elle s'étira, prête à reprendre le chemin de sa tanière, quand un arc-en-ciel apparut, la coupant dans son élan. Comme tous les membres de son espèce, elle ne voyait pas vraiment les nuances de rouge, mais ce phénomène naturel l'avait toujours envoûtée. Captivée, elle sursauta quand un oiseau prit son envol à proximité. La pluie s'était légèrement accentuée. Stella frissonna et reprit sa route, repue du moins pour quelques heures. Tandis qu'elle trottinait pour rejoindre son terrier, elle sut que la pensée de ce doux matin resterait un souvenir cher à son cœur. Ce dernier se gonfla de joie à l'idée de le conter à ses chers petits, blottis contre le flanc de son compagnon. Voilà. Un très très beau moment en forêt avec cette petite renarde. Alors, petite précision purement lexicale, on ne dit pas la goupille, on va dire le goupille, ça va rester masculin, j'ai été voir, mais en fait c'est un terme totalement désuet, hein, c'est un terme du Moyen-Âge et qui doit rester au masculin. Donc je l'ai corrigé, hein, je te l'ai indiqué dans ton texte, Christine. J'ai corrigé quelques petites erreurs, mais il n'y avait pas grand-chose. Et par contre, dans ce texte-là, je me suis servi de ton texte
pour parler un petit peu de des morceaux de phrases qu'on mettait en incise, qu'on mettait en première partie de phrase, avec la virgule, etc. Donc, bah, pour tous ceux qui le téléchargeront le PDF, vous verrez que voilà, je vous donne quelques petits conseils pour pouvoir bien faire vos débuts de phrase. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Enfin, voilà. Et voilà, moi je vais mettre des petits cœurs de mon côté, oui, parce que j'ai un téléphone, j'ai l'écran de contrôle, on va dire, qui est juste là. Et voilà. Oui, je suis d'accord avec Manon. Alors c'est très juste, c'est tout doux, j'aime beaucoup, je visualise très bien le moment. Oui, on a vraiment une très bonne visualisation et ça c'est une force de Christine quand elle écrit. On visualise toujours très très bien ce qui se passe. Il n'y a pas de couac dans sa chronologie, on voit bien ce qui se passe. Et c'est très doux. Et il y a vraiment un très beau sentiment dans ce texte. Donc c'est vraiment, vraiment un beau texte pour commencer. Voilà. Après, et ben, après, Manon, et ben Manon, t'as bien fait d'ouvrir la bouche parce qu'après, c'est ton texte qu'on va prendre. Mais bon. Alcina, elle est bouche bée, en fait. Elle ne sait plus quoi dire. Elle fait ah. Là, non, je regarde sur mon compteur là aussi, mais non, je te vois pas non plus. Donc je ne sais pas ce que tu voulais dire. Donc, le texte de Manon. Alors, vous allez voir qu'on va être dans un registre. Alors, à la fois un peu identique, puisqu'on est dans la forêt avec les animaux, la pluie, mais alors on part sur un truc totalement différent. Et alors, c'est ça que j'aime beaucoup quand on fait des ateliers d'écriture créative. C'est qu'en fait, vous êtes capable d'inventer des situations et des personnages, mais tous tellement différents que c'est vraiment fabuleux. Alors, ce texte-là est un petit peu plus long et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un texte où on a une forme d'action, en fait, qui va se passer dedans. Et donc, voilà, je crois que c'est le texte le plus long de la soirée. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Donc, le texte de Manon. Alors, j'ai rebaptisé vos textes, enfin, ça je ne vous l'ai pas dit, parce que vous m'envoyez des textes et vous mettez pas de titre, mais c'est quoi les amis? Enfin bon, voilà quoi. Donc, on met des titres. Donc, ton texte, Christine, je l'ai baptisé Stella. Voilà. Et puis Manon, ton texte, je l'ai baptisé La fille du loup. Voilà. Parce que je ne voulais pas tout dévoiler, bien sûr. Le pépiment des oiseaux s'éteignait doucement alors que le ciel se couvrait. La faible luminosité présente devint quasi absente alors que le début d'après-midi commençait. Le bruit doucereux de l'eau tombant dans la forêt berçait Elena, qui peinait déjà depuis plusieurs heures à rester totalement éveillée. Elle finit par s'allonger, incapable d'attendre plus longtemps que son père rentre. Enroulée dans sa couverture, sur son futon qu'elle avait approché autant que possible de l'entrée de la grotte qui les abritait, elle sombra dans le sommeil, le plic-ploc inquiétant de la pluie pour seule compagne. La pluie tombait depuis presque une vingtaine de minutes maintenant. Une haute et svelte silhouette se glissa dans la grotte et s'ébroua. Elle jeta un regard à la fillette endormie, puis s'assit à l'entrée de la grotte, juste à la lisière humide. Ses oreilles pointées vers la forêt, le dos bien droit, l'animal semblait à l'affût. Son pelage noir mouillé collait sa peau, révélant une musculature impressionnante, même pour un chasseur de son espèce. Ses yeux ambrés regardaient la forêt, ou plutôt l'eau qui tombait. Cette averse l'avait surpris. Il ne l'avait pas senti venir, lui qui pourtant connaissait tous les signes de la nature. Il était sur les traces d'un jeune lapin. Il devait se nourrir. L'hiver avait été long et la nature sortait timidement de son terrier. Le printemps tardait à prendre ses aises. Toujours était-il qu'il allait lui sauter à la gorge lorsque l'averse l'avait surpris, lui faisant faire une erreur stupide qui lui fit perdre sa proie. La bête montra ses crocs comme courroucés. Cette simple pluie lui faisait perdre le repas de sa journée. L'inquiétude le gagna à nouveau et il tourna son regard vers la fillette endormie. Elle devait l'attendre depuis plusieurs heures maintenant. Il était parti longtemps avant de finalement trouver une trace de quelque chose à manger. Le canidé oubliait parfois combien elle était encore fragile. La petite fille se mit à trembler sous sa couverture, la serrant contre elle. L'animal se mit sur ses quatre pattes, l'inquiétude envahissant à nouveau ses sens. Il s'approcha d'elle, la flaira avant de coller sa truffe contre son front. Il était encore brûlant de fièvre. Laissant son instinct l'emporter, il se coucha contre elle, les flancs collés à son dos, la tête posée contre son épaule. Il faisait attention à pouvoir se lever sans la réveiller si jamais un intrus venait à entrer. Il était hors de question que quelqu'un s'approche ou s'en prenne à Elena. La simple idée que quelque chose puisse la blesser ou l'attaquer lui fit hérisser les poils et il sentit un grondement monter dans sa gorge. Il se força à se calmer. Ne pas la réveiller, elle était malade. Et avec cette pluie qui ne semblait pas vouloir se finir et forçait, il ne pourrait pas sortir chassé. Pas qu'il ne trouve rien, au contraire, non, au contraire,
Mais la petite n'avait pas de feu et il n'avait pas eu le temps de ramasser du bois. Une branche craqua. L'animal redressa la tête aux aguets. Un oiseau passa devant l'entrée de la grotte, piaillant de mécontentement. Il se leva souplement, se plaçant devant Helena et attendit, guettant au travers de la pluie. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant que finalement l'animal en conclut que ce devait être l'oiseau qui l'avait fait, que ce devait être l'oiseau qui avait fait ce bruit. Il sentit une petite main se glisser dans son pelage et la gripper. Tu es rentré? Demanda une voix fluette, ensommeillée. Le loup ébène tourna la tête vers la fillette, les yeux d'ambre brillants d'amour. Oui, rendors-toi. Je suis là et je ne repartirai que lorsque la pluie sera passée. Helena eut un petit sourire avant de se recoucher plus confortablement sur son futon, s'enroulant dans sa couverture. Elle n'avait plus rien à craindre. Son père était rentré. Ils reprendraient bientôt leur chemin vers la maison et tout irait mieux. Elle sentit la langue râpeuse et humide de son père sur son front. Le bruit de la pluie, tout à l'heure angoissant, devenait rassurant maintenant que son père était présent. Ses pensées s'arrêtèrent brutalement, tout comme le bruit ambiant. « Tu n'es pas si difficile à trouver, » dit une voix que le loup ne connaissait que trop bien. Il se retourna à un grondement sourd et s'échappant de sa gorge. « Oh, épargne-moi ça, veux-tu ? Je ne suis pas là pour elle, » dit la femme en s'avançant dans la grotte. « Je t'ai connu plus accueillant que cela, Merlin, et ce, même sous ta forme lupine. » Le loup montra les crocs alors qu'elle faisait un nouveau pas dans la grotte. La pluie semblait l'avoir épargnée alors que dehors, la pluie tambourinait sur les feuilles et les pierres. « Il est temps. »« Non, » répondit la bête en se postant devant Helena. « Nous devrons partir tôt ou tard. Que cela soit maintenant ou plus tard, ça ne changera rien à son destin. »« Nous ne partirons pas maintenant, Morgane. Elle est trop jeune. Je refuse de la laisser maintenant. Pars !» Morgane soupira. Qu'il était têtu. « Bon, très bien. Elle rendrait les armes pour cette fois. » Il avait raison. 6 ans, c'était trop jeune pour la laisser. Le loup la fixait de ses yeux d'ambre, la colère, la rage brillant dans son regard. La petite ne vieillissait pas comme eux, mais elle lui poserait un ultimatum. Il ne pouvait pas attendre trop longtemps. « Tu as 4 ans. Dans 4 ans, nous devrons partir. Je ne te laisse pas le choix. » Les babines de Merlin se retroussèrent. 4 ans, c'était trop peu. Mais il voyait dans le regard de la sorcière face à lui que s'il n'acceptait pas, cela serait pire. « Bien, mais si tu n'interviens pas pendant ces 4 années, jamais. » Un sourire mauvais se dessina sur le visage de la sorcière. Il est vrai qu'elle était intervenue déjà plusieurs fois dans la formation et la préparation de la petite. Cependant, au contraire de Merlin, elle sévissait rudement lorsque Helena ne respectait pas les règles. Ça, c'est si elle respecte les règles. Tâche de les lui apprendre. Je ne serai plus aussi indulgente qu'une simple fièvre. Une ombre envahit l'espace avant qu'un corbeau blanc ne s'échappe de la grotte en un battement d'ailes fluide. Une fois que Morgane eut disparu au loin, Merlin fit plusieurs fois le tour de la grotte pour être sûr que plus personne ne viendrait les déranger. Cela fait, et à nouveau trempé, il se recoucha près de sa fille, la cachant de son corps massif. Il observa la pluie. 4 ans. Il avait 4 ans pour la former et la préparer à ce qui l'attendait. Sa fille avait beau être intelligente et vive, cela ne restait que trop court. Elle n'était qu'une enfant, et ce, même si sa maturité était bien différente des enfants de son âge, son développement restait proche. Le clapotis de la pluie sur la forêt l'aida à réfléchir. Il trouverait un moyen. Il était hors de question qu'il abandonne Helena. Comme si le temps se calait sur l'humeur du loup qui semblait se calmer, la pluie s'apaisa, revenant à un écoulement épars à mesure que Merlin songeait à une possible solution. C'est une belle intro, en fait. C'est vraiment une intro de bouquin. On a envie de dire, bah ok, là tu nous as fait voilà, le prologue du roman. Bon, alors après, après, il y a quoi? Mais bon. Donc je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et vraiment, vraiment pas mal. Alors après. Alors, des petites répétitions, j'en ai surligné quelques-unes. Alors que j'ai surligné en vert les répétitions, vous verrez dans le PDF. Donc, comme ça, ça vous permet de voir. Voilà, en le relisant, j'en ai revu quelques-unes encore. Hein. Mais bon, rien de bien méchant. Par contre, je me suis servie de ce texte-là parce que parfois, il y a des phrases qui sont assez longues ou alors qui ne sont pas dans le bon sens chronologique. Et du coup, ça m'a arrêté ma lecture. Donc, du coup, je vous ai fait un petit conseil sur comment faire des phrases courtes quand on a des phrases longues. Voilà. Voilà, voilà, Manon. Je suis totalement d'accord avec Alcina. C'est-à-dire que là, tu nous as mis l'eau à la bouche et on se dit, et la suite, et le livre, il est où? Je suis tellement d'accord. Donc voilà. Donc, dans la partie conseil de Karine du PDF, vous verrez effectivement, je reviens un petit peu sur ce que c'est qu'une phrase. Et comment faire des phrases plus courtes, parce qu'il faut savoir que plus on est jeune auteur et plus il faut que les phrases courtes.
que les phrases soient courtes. Et moi, c'est tellement court que je finis par avaler mes mots, moi. Mais bon, voilà. Christine qui dit, je ne m'attendais pas à ça, mais j'adore tout ce qui touche à la légende arthurienne. Ben là, alors là, pour le coup, t'as été servie, quoi. Ah si, c'était l'ultimatum, j'ai oublié de le mettre, j'aime beaucoup plus ton titre. Et c'est exactement ça, Karine, quand je te disais que ton thème permettait d'écrire l'amorce de mon projet. Oui, à l'oreille, je les ai entendus, ça siffle. Ah, tu vois, mon gros problème, les phrases longues. Eh bien, tu verras, j'en ai mis quelques-unes. Alors, dans le PDF, je mets en bleu les points sur lesquels je vais revenir, justement, dans le petit tips de l'auteur, on va dire, vous voyez. Donc, tu verras, j'ai repris deux parties, deux phrases à toi. Que j'ai un petit peu tournicoté autrement. Après, comme je dis toujours, j'ai pas la solution ultime, mais voilà, ça te donne une idée de ce qu'on peut faire d'autre. En fait, il faut savoir qu'il n'y a jamais une bonne façon d'écrire une phrase. Il y a des façons qui sont meilleures que d'autres. Mais après, on peut encore faire autre chose. Enfin, voilà. Donc, du coup, je te fais des propositions pour t'aider un petit peu à y voir un petit peu plus clair. Oui, je confirme. Tu n'es pas la seule, Manon, à avoir des problèmes de phrases longues. Christine est aussi une professionnelle de la phrase longue. Et donc, je lui tape régulièrement sur les doigts en coaching en lui disant plus court, plus court. Mais bon. Mais après, voilà. Ça, c'est aussi un défaut de jeune auteur. Parce que, en fait, vous êtes à la fois emporté par la fougue de ce que vous êtes en train d'écrire. Vous avez aussi l'impression que si vous n'en dites pas assez, le lecteur ne va pas comprendre. Et très souvent, c'est le contraire, en fait. C'est quand on commence à dire beaucoup de choses dans une même phrase ou un même paragraphe qu'on va noyer le lecteur sous des détails inutiles et qu'il va encore moins comprendre ce qu'on veut dire. Donc voilà. Donc surtout, ne désespérez pas et faites des phrases courtes. C'est vraiment le conseil que je donne à tous mes jeunes auteurs parce que voilà, c'est un peu la clé du succès, quoi. Alors après, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais j'ai le texte de Marine que je vais vous lire, qui nous a fait un très beau texte aussi, et que j'ai rebaptisé, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, parce que pareil, elle ne m'a pas mis de titre, que j'ai rebaptisé Abondance. Voilà. Manon qui me dit, pour le projet, je le mettrai sur Scribd quand j'en serai satisfaite. Et j'adore aussi les légendes arthuriennes, mon tout premier projet d'écriture, déjà dispo sur Scribd, mais pas très ouf, aidé sur ce thème aussi. N'hésite pas à le mettre assez tôt sur Scribd, tu sais que les gens viennent corriger, hein, ça t'aide, hein, forcément. Alors, on y va pour le texte de Marine qui s'appelle donc Abondance. Cela fait maintenant de nombreuses lunes que je suis née, dont au moins deux depuis que je sais chasser avec ma mère et mes tantes. Mais aujourd'hui, quelque chose ne va pas. Je ne ressens plus cette boule de chaleur dans le ciel qui me faisait somnoler une partie de la journée. Tous les sons et toutes les odeurs auxquelles j'étais habituée ont disparu. Toute la savane est plongée dans une pénombre inquiétante. Pourtant, je sais que ce n'est pas la nuit. Mon instinct me le dit. La chaleur étouffante a laissé la place à une humidité rafraîchissante. Mais ce qui me surprend le plus, c'est ce liquide si précieux dont j'ai toujours connu le manque qui me tombe dessus. Je n'ai jamais vu autant d'eau au même endroit. Je reste assise près d'une de mes sœurs qui semble tout aussi perplexe. Nous ne savons pas quoi faire. Alors je regarde ma mère. Elle n'a pas l'air inquiète. Au contraire, je vois ses yeux briller comme si toute cette eau était la promesse de jours meilleurs. Elle me fait comprendre que c'est le signe de l'abondance. L'abondance. Je peux à peine imaginer ce que ça veut dire. Pouvoir manger à notre faim? Tant de mes frères et sœurs sont morts à cause du manque de gibier ou d'eau. Et aujourd'hui, j'apprends qu'il existe une vie où rien ne manque. Je sens l'excitation monter en moi. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle vie. Et en même temps, je crains déjà sa disparition. Je veux en profiter un maximum tout de suite. Je ne veux pas attendre. Alors je me tourne une nouvelle fois vers ma mère qui me dit de patienter, que nous aurons bien le temps d'en profiter une fois la pluie terminée. Rassurée, je m'apaise et profite de toutes ces nouvelles sensations. Je m'allonge tranquillement dans cette végétation qui ne ressemble déjà plus à la savane que j'ai connue, au pied de cet arbre qui m'a abritée du soleil tant de fois auparavant. Eh ben, il est sacrément bien foutu ce texte. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais franchement, il est remarquablement bien écrit. Alors, j'ai repris, il y a quelques petites répétitions, il y a trois, quatre trucs que j'ai mis, enfin voilà. Parce que quand on me donne un texte à corriger, forcément, je trouve des trucs. Mais en fait, ce qui est extrêmement bien fait dans ce texte-là, c'est qu'on a un mélange savamment dosé et d'une...
d'une souplesse extrême en fait, entre les ressentis de l'animal, ses pensées, son vécu, ses émotions, ses espoirs, la découverte de cette eau qui tombe. Enfin, franchement, je trouve vraiment qu'il est très équilibré et qu'il est vraiment chouette comme texte. Voilà. Donc j'espère qu'il vous aura plu aussi et que vous en aurez apprécié la lecture qui a été rapide, hein, c'était un petit texte, mais qui était vraiment, vraiment sympa. Je reviens un tout petit peu. Oui, le plus c'est l'ennemi du simple. Ah bah complètement. Ma grand-mère disait aussi le mieux est l'ennemi du bien. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. La fille de Merlin, ça me dit rien. Faut dire que je connais peu l'histoire de Merlin. Après, on a le droit d'inventer, hein, Manon aussi. Hein. Bah écoute, oui, il faut que tu fasses la suite de ton texte. Hein, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Oui, mais on s'en fiche, Merlin des enfants. Après, la légende arthurienne, pardon, elle est malléable à souhait. Hein. Il est abouti et très sympa. Oui, le texte Abondance de Marine est vraiment, vraiment un très, très beau texte. Donc, oui. Ouais, franchement, je pense qu'il peut être très inspirant. Vous regarderez le PDF hein, quand vous l'aurez téléchargé. Essayez de prendre des stylos de couleur, genre des surligneurs, et de mettre une couleur sur les pensées de l'animal, une couleur sur ses ressentis, une couleur sur ses émotions. Donc, en fait, faites jouer les sens, les émotions, les pensées. Et c'est ça qui fait qu'un texte fonctionne bien. C'est quand vous arrivez à avoir un bon dosage des trois et que ça passe souplement de l'un à l'autre. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup dans les textes. Donc, bien joué, Marine, vraiment. GG, comme disent les jeunes. Et puis, pour terminer, on va prendre le texte de Karen. Alors, je suis étonnée, je n'ai pas vu Karen ce soir, mais c'est pas grave, elle verra le replay. Pareil, je n'avais pas de titre sur ce texte, donc je l'ai appelé Bienvenue. Voilà, je pense que sans trahir l'esprit du texte, je pense que je ne suis pas tombée trop loin. Tu me diras, Karen, j'espère que ça te conviendra. Et c'est un petit texte aussi, donc ça va aller assez vite aussi. La chaleur se faisait de plus en plus pesante depuis 1 heure. J'étais sortie de ma tanière pour me dégourdir les pattes, malgré les contre-indications de Hercos, mon mâle, mais j'aimais tellement observer cette période. Les fleurs épanouies et colorées, les odeurs, la forêt qui se réveille petit à petit. Ah, le printemps! Le fait de sentir la vie grandir en moi le rendait encore plus doux cette année. Doux, mais chaud pour cette période. Soudain, quelques gouttes vinrent couler délicatement sur mon pelage. Elles ruisselaient, telles des perles, pour venir se poser sur le sol. Rapidement, elles se firent plus nombreuses et certaines commencèrent à pénétrer au travers des mailles de ma fourrure. Tout en levant ma truffe vers le ciel, je fermais les yeux pour me rafraîchir sous cette pluie printanière qui était la bienvenue. J'entendais le frissonnement des feuilles sous leur poids. C'était si apaisant. Je fus coupée dans ma rêverie par une douleur au creux de mon abdomen. C'était là, ils arrivaient. Sans attendre, je m'assis tout en étirant mon cou le plus haut possible. Je hurlais pour prévenir Hercos de l'arrivée des bébés. Je n'aurai pas le temps de revenir sur mes pas, donc nous emmènerons tout ce petit monde par la suite au fond du terrier. Je me couchais quand il arriva. Son souffle était haletant suite à la course qu'il venait de faire et son doux museau vint se frotter sur le mien. Il me renifla et regarda l'arrière de mon corps lorsque ses yeux vinrent profondément fixer les miens. Notre premier louveteau pointait le bout de son nez. Voilà. Donc un très beau moment aussi. Voilà. J'en ai profité. Alors, un texte où ça a été compliqué de distinguer le passé simple de l'imparfait. Alors ça, c'est un écueil qui est courant. Hein. C'est très, très compliqué, ce passé simple et cet imparfait dans le passé de la narration, dans le passé narratif. En fait, bah, il faut passer par le nous. Parce que entre le je préparais et le je préparais, en fait, on entend exactement la même chose, sauf que j'en ai un qui est au passé simple et l'autre qui est à l'imparfait. Et ce qui différencie, c'est le S à la fin que, évidemment, on n'entend pas. Donc la seule façon de différencier, c'est de repasser avec le nous et de dire nous préparions ou nous préparâmes. Et si c'est nous préparions, eh ben, c'est de l'imparfait, il y a un S. Si c'est nous préparâmes, c'est du passé simple et il n'y a pas de S. Donc ça, c'est la petite astuce, effectivement, du moment. Et puis, je suis revenue, en fait, le petit conseil porte sur l'utilisation du pronom personnel je, quand on l'utilise au passé simple avec des verbes qui commencent par H. Juste pour vous rappeler qu'on n'élide pas le je en J apostrophe quand il y a un H en premier. Voilà. Et oui, c'est trop mignon ce texte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je sais, Karen me l'a dit.
que dès qu'elle a entendu en fait le sujet du prochain atelier d'écriture, ça lui est venu tout de suite en tête. Donc voilà. Mais et c'est vraiment ah oui, c'est très bien amené. Ouais, c'est vraiment un très très joli texte aussi. Donc voilà, j'y ai apporté quelques petites modifications, corrections, et puis vous aurez le petit tips d'écriture sur le passé simple et les verbes qui commencent par H. Voilà. J'espère que. Et ben voilà, Manon. Maintenant, tu sauras distinguer les deux. Passe par le nous. En passant par le nous et à l'oral, il faut le parler, ton texte, hein, pour que ça fonctionne bien. En le parlant, tu vas vite savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore été voir, je vous remets très rapidement ici le lien avec le PDF et les quatre textes à l'intérieur. Ce lien est valable encore quelques minutes, le temps qu'on finisse le live. Donc, n'oubliez pas d'aller rapidement le télécharger. Et puis, j'espère que ce que je vous ai fait dans le PDF vous convient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il ne faut pas hésiter à revenir vers moi et à me dire déjà si ça vaut le coup que je vous fasse un PDF et si vous êtes content que je mette vos textes comme ça un peu en valeur. Faut me dire aussi par rapport aux tips d'écriture si ça vous convient. Enfin, je ne sais pas. Après, voilà. Vous me dites. Moi aussi, même si tu as mis trois plombes à deviner mon animal, pourtant évident. Ah oui, non, mais toi, tu m'as bien eu sur ce coup-là. Hein. Voilà. Pourtant, je sais que Christine aime les renards et impossible de me rappeler que c'était les renards quand qu'elle allait me faire un test sur un renard. Mais bon, bref, c'est comme ça. Il y a des fois comme ça. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, on vient de passer 40 minutes ensemble autour de quatre super beaux textes. Merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier d'écriture. Vous voulez peut-être le sujet du mois prochain. Alors, j'ai longtemps hésité pour le sujet du mois prochain. Tiens, puis je vais peut-être vous l'écrire. Alors, c'est ce que. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un. Comment on appelle ça? C'est un texte de fiction. D'anticipation, on dit, vous savez, les textes qui se projettent dans le futur. Je crois que c'est comme ça qu'on dit les romans d'anticipation. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas comme expression, je vous propose d'écrire un texte d'anticipation qui ne sera peut-être plus un texte d'anticipation demain soir. Vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. Mais en fait, voilà, j'ai pensé à ça en voiture tout à l'heure et je me suis dit qu'il y avait certainement des choses assez rigolotes à faire. Et que cela vous permettrait peut-être de faire preuve d'une certaine créativité humoristique peut-être, ou alors dramatique, parce que c'est possible aussi. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je l'ai pris. Franchement, oui, merci. Je sais que là, de ce que j'ai vu, ça va beaucoup m'aider pour la suite. Ah, super. Tant mieux si ça vous aide. Et le prochain sujet. Alors, on y va, Alcina, pour le prochain sujet. Tu participeras, Alcina? Tu vas le faire avec nous? Voici le sujet. Ce nouveau confinement tombe à pic. Explique pourquoi. En fait, j'aimerais qu'on prenne un peu le contre-pied de cette situation de merde. On va dire ça comme ça. Et j'aimerais que vous imaginiez quelqu'un qui, pour des raisons qui sont les siennes, parce qu'il se passe un truc dans sa vie, parce que je sais pas en fait, hein, ça va être vraiment à vous de créer le truc, quoi. J'aimerais quelqu'un qui, en fait, se réjouisse de ce confinement. Et pourquoi? Et que vous m'expliquiez en fait la situation. Alors vous avez le droit de partir dans des gros délires, hein, voilà. Faites-nous rire, faites-nous pleurer peut-être, hein, peut-être que ça va être dramatique en fait. Mais en tout cas, ce confinement que Macron va annoncer demain soir, oh je suis devin, non, enfin il l'annoncera peut-être pas, j'en sais rien. Mais voilà, on va dire que pour l'instant c'est du roman d'anticipation. Imaginons que demain soir nous soyons de nouveau tous confinés comme il y a un an. Et ben pourquoi est-ce que ce personnage, ça l'arrange? En fait, voilà. Pourquoi lui, il se réjouit? C'est même pas que ça l'arrange, c'est que c'est trop bien en fait. Il se réjouit du truc. Il se dit, mais c'est tellement bien. Ça tombe même pile poil qu'au moment où il fallait. Pourquoi? Voilà. Soyez inventif. Hein. Moi, j'ai plein d'histoires qui me viennent en tête, un truc à la con. Je suis sûre que vous aussi, vous allez trouver des trucs pas possibles. Donc voilà. J'espère que cette. Ah bah tiens, voilà. J'ai déjà l'idée. On en discutait avant-hier avec ma maman et mon chéri. Bon bah voilà. Il y a des idées qui fusent. Ah, je suis contente. Parce que je me disais, j'espère que je ne vais pas vous plomber parce que je ne voulais pas vous plomber en vous parlant encore de Covid, quoi. Sachant que c'est un sujet que j'essaye d'éviter pendant mes ateliers d'écriture parce que le but, c'est quand même que vous vous sortiez un peu ça de la tête et pas que vous replongiez
Covid jusqu'au cou, on en a marre. Mais là, je me suis dit quand même qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Donc je vous laisse voir ça. Moi, je vais arrêter le live ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et d'avoir participé. Là, on est 5, mais on est monté à 8, 9 ce soir. Donc c'est cool. J'espère que ça va inciter plein, plein de personnes à. Comment dire? On va y arriver. J'ai lu le message de Manon et du coup, j'ai swipé dans ma tête. Je fais. Mais bon. Ça va, c'était plein de personnes à écrire, à m'envoyer les textes. Je vous rappelle que les textes sont à m'envoyer au plus tard le jour du book club. C'est-à-dire le mardi, je sais plus combien. Je vous ai fait le planning. Oui, je vous ai fait. Ceux qui ont eu la newsletter, vous avez eu le planning hein, pour le mois à venir. Donc, vous avez vu qu'il y a un mardi où il y a le book club avec le livre de Gabriel Destaber qu'on est tous en train de lire. Alors, je grimace pas pour le livre, hein. Je grimace juste parce que j'ai pas le temps de lire en ce moment. Donc, je suis à la ramasse, les amis, mais à la ramasse, c'est un truc de fou. Mais bon, je crois que j'ai 15 jours pour le lire. Mais bon. Oui, on se rejoint sur Discord, Manon. Est-ce que ça te va, Discord, ou est-ce que tu veux qu'on fasse autrement? Dis-moi. C'est pas grave, hein. C'est moi qui j'ai qu'à pas lire vos messages pendant que je vous parle. Et voilà, en fait, je ne suis pas une professionnelle des lives, ça se voit. Donc voilà. Donc je vous laisse effectivement créer votre texte et me le rendre au plus tard le jour du book club. C'est important parce que ça me permet de les lire, de les corriger, de monter le PDF, tout ça. Donc le fait d'avoir les textes un petit peu plus en avance, c'est quand même vachement bien. Ouais, ah bah merci, c'est cool. Bah Alcina, j'espère que tu participeras et que je pourrai lire un texte de ta plume la prochaine fois, ça serait vachement cool quoi. Donc voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle nuit. Passez une bonne semaine. On se retrouve jeudi. On a quoi jeudi? Qui est-ce qui se rappelle de newsletter et qui sait ce que j'ai mis? Ah oui, jeudi, c'est Tipeee. Le premier jeudi, c'est Tipeee. On va faire le nouveau tirage au sort. C'est bien parce que j'ai pas... je suis à la bourre. Je suis désolée. Hein. Christine, si tu m'écoutes, je suis absolument désolée. Je vais t'envoyer ton truc. Hein. Donc, les grandes infos pour le mois d'avril, les dates à ne pas louper, le tirage au sort de mon tipeur gagnant. Bien évidemment. Et je suis à la bourre aussi, les tipeurs le savent. Hein. Je suis à la bourre pour la nouvelle du mois d'avril. Mais je fais tout pour qu'elle sorte cette semaine. Voilà. Ouais, non, mais on peut être bêta lecteur et écrire. Hein. Alors là, voilà quoi. Mais oui, tu vas avoir l'inspiration, Christine, j'en suis sûre. Mais bon, j'espère qu'il faut qu'on va se revoir bientôt, nous, pour Stealing, je crois. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite, comme Alcina, une très très bonne soirée. Maintenant, on se retrouve sur Discord dans quelques instants. Et puis, profitez bien de la fin de semaine et on se retrouve jeudi soir à 18h30 pour le prochain live avec le tirage au sort du gagnant, du tipeur gagnant du mois de mars. Voilà. Allez, bisous, bisous et portez-vous bien. Bisous, bye.